Hello les copains! Hello les copines! Comment allez-vous? Ça fait un petit moment effectivement que je suis pas venue vous voir. Je n'ai pas, pas trop le temps, hein, comme d'hab en fait, hein. Le temps passe trop vite et on a des journées qui sont bien remplies et voilà, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut. Alors du coup aujourd'hui, j'étais quand même contente de revenir vous voir pour faire un petit haul. Peut-être et probablement le dernier haul Noël de l'année, même si bon, j'ai pas acheté grand-chose cette année pour Noël, mais du coup, j'avais pas forcément tout vu peut-être les fois dernières, ou peut-être que d'autres fois, j'avais pas forcément envie d'acheter ce que j'ai acheté aujourd'hui. Enfin, c'était pas aujourd'hui, c'est il y a quelques jours, donc je suis passée à Royan la semaine dernière. C'était là, on est lundi, ça devait être vendredi. Je crois, ou jeudi. J'ai un doute entre jeudi et vendredi. Donc, j'ai un gros doute. Bon, enfin bref, c'est pas grave. C'était la semaine dernière. C'était à Royan, donc en Charente-Maritime, sur la côte atlantique. Je vous montre les petits achats que j'ai faits. Allez, on commence par quoi? Tiens, un truc scrap et pas scrap. Hein, enfin, voilà. Hein, pas lo forcément loisirs créatifs. Donc, des petites boîtes comme ça qui font. Ce qu'on appelle, je sais pas moi, les petites boîtes pique-nique, les petites boîtes lunch, box lunch, snack box, ils appellent ça. Donc ça fait 0,4 litres, donc 400 millilitres. On est sur un prix de 0,55 euros, 55 cents. C'est de la marque Curver. Et j'ai pris donc un verre un peu, je sais pas, un peu vert mat. J'aime bien ce verre. Il y avait plusieurs couleurs, mais j'ai trouvé que celui-là, il était sympa. Donc, c'est pour mettre mes petites bidules. Hein. On a tellement des petites bidules partout que voilà, on a besoin toujours de rangement. Tiens, dans le rangement, je continue parce que moi, je m'achète des boîtes comme ça. Je m'achète des boîtes comme ça pour faire mes rangements, justement, de tout ce qu'on peut avoir. J'en ai plus d'une vingtaine hein, aujourd'hui, des boîtes comme ça, où je range toutes les bricoles qu'on a et qu'on veut retrouver facilement, donc que je mets dans ma grande armoire à côté, là. Et du coup, voilà. Donc, comme ça, je peux tout retrouver dedans. On est sur un prix à 1,98 €. Oui, ça peut paraître cher, 2 euros pratiquement. Mais on est sur un bon produit. Hein. Moi, j'en suis fort contente. On est sur un bon produit, un bon plastique. Bon, alors évidemment, il ne faut pas la faire tomber pleine de très haut, hein, parce que je pense qu'elle va exploser. Hein. Mais en tous les cas, elles sont bien. Il y a juste ces petites ailettes là qui débordent un peu hein, donc de la boîte. Donc, faire attention si vous en achetez. Parce que, méfiez-vous, ça déborde un petit peu. Ça ne se rabat pas. Hein, c'est fixe. Du coup, les anciennes étaient un petit peu plus rondes de souvenir, et là, c'est un peu plus, voilà, un petit peu plus à angle, presque à angle droit, on va dire. Donc, 1,98 € pour mettre toutes nos petites bricoles. Et donc, il en faut des rangements, hein. On continue dans les petites bricoles, les rangements, les machins. Moi, j'adore ce genre de choses. Donc, cette année, voilà, moi, je me suis pris le petit sapin. Le petit sapin en. Bon, c'est une sorte de porcelaine. Alors, c'est peut-être pas de la. Enfin, c'est pas forcément de la porcelaine, mais c'est un. Voilà, c'est un style de porcelaine. Donc, il est blanc avec un petit liseré doré. Voilà, moi j'adore ce genre de petites choses. À la maison, moi j'ai les assiettes blanches comme ça avec les tours dorées. Donc voilà, je suis très dorée, très paillette. Voilà, moi j'aime bien la paillette. Donc 1,49 €, ils nous mettent 11 cm sur 11 cm. Donc a priori, ça va faire 11 comme ça sur 11. Ça me paraît pas faire 11 là, mais bon, je sais pas. Tiens, j'ai ma règle pas loin. On va regarder. On va regarder s'ils nous mentent. Sur la marchandise. Alors déjà, il nous monte parce qu'en longueur comme ça fait 12 cm hein, en hauteur et pas 11. Et en largeur, on n'est qu'à 9,5. Voilà, on n'est pas tout à fait. Et alors tiens, j'avais pas regardé. Alors le doré dessus n'est pas tout à fait doré partout. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour mettre sur mon petit bureau quand je fais des petites choses que j'ai besoin, voilà, de prendre des petites choses ou des petits trucs. Voilà, comme ça j'ai tout. Ah, il y a ma Roro qui passe.
qui passe sur la terrasse. Coucou mes chéris. On continue. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah ça. Alors j'ai pris ça. J'en prends un petit peu chaque année de différentes grandeurs, grosseurs, largeurs, enfin tout ce que vous voulez. C'est des petits morceaux de bois. On est sur des tranches de bois et c'est bien du boulot, hein, c'est bien ce qui me semblait parce que l'écorce fait bien boulot, hein, donc voilà. Donc on est sur trois rondins de bois, fort sympa, moi j'aime beaucoup cette grandeur. Alors j'ai envie de, je sais pas moi, de faire quelque chose dessus. Ça va être mes petits cadeaux de Noël je pense, donc je vais voir mais... Voilà, j'ai mon idée dans la tête, on va voir ce que je vais pouvoir en faire. 1,49€, donc les trois. Ça fait à peu près 50 centimes chaque petit rondin. Bon, c'est vrai que pour du bois comme ça, ça peut paraître cher, mais bon, malheureusement, c'est que voilà, c'est un bout de la nature, quoi. Donc, bon, voilà. Mais bon, bah, hein, quand on n'en a pas à disposition, bah, malheureusement, on est bien obligé d'aller l'acheter. On n'a pas le choix. Alors, ensuite, je continue. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Alors, des petites choses qui ne sont pas forcément Noël. Deux petits design pads. Ils appellent ça des design pads. On est sur deux petits carnets, donc deux feuilles imprimées en taille 15 cm par 15 cm. Il y a 30 feuilles. On est sur du 100 grammes. Hein, donc, on est vraiment sur du léger. Hein, c'est de la feuille... C'est à peu près comme de la feuille imprimante, hein, puisque bon, on est à peu près sur le même grammage. Donc, avec des petites fleurs, des petites roses. Alors, il y a un petit peu de glitter hein, à chaque fois. Donc là, c'est un petit bleu argent. À nouveau, tiens, bah, c'est les mêmes. Ah non, c'est pas tout à fait les mêmes. D'autres roses, pareil, avec du glitter. Donc, c'est des petits pois, hein, des petits points, les glitters. Donc, c'est la première hein, qui fait glitter. Ensuite, on a ça, pareil, avec du glitter. Voilà, moi j'aime beaucoup ces petits pads parce que quand on a des petites décorations et qu'il ne nous faut pas du papier très, très épais, bah, c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de petits pads. Celui-ci. Ah, Maroro, tu veux rentrer, mon cœur? Alors attendez, il y a Maroro qui veut rentrer. Je crois qu'il faut que je lui ouvre la baie vitrée. Allez, viens, ma chérie. Viens, mon cœur. Viens, maman l'a ouvert. Allez, viens. Viens, ma chérie. Alors, est-ce qu'elle va rentrer? Qu'elle veut rentrer, mais bon, ça va peut-être changer d'avis. Non, elle va rentrer. Alors là, pareil, du bleu, ouais, bleu très pâle avec des petits ronds. À nouveau, des fleurs. Pareil, avec la première où il y a des petites choses brillantes. C'est plus sur les fleurs, là, du coup, qu'il y a du brillant. On ne le voit pas trop à la caméra. On a celui-ci, qui est très mignon aussi, j'aime beaucoup. Et on a un dernier, qui est celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah non, c'était pas le dernier, il y en a un autre, et voilà, ça fait très chabi. Alors moi, je suis pas forcément chabi, mais j'aime beaucoup tout ce qui est fleurs, donc voilà. Le deuxième, alors ah, ça y est, elle est rentrée, Maroro. Celui-ci, donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup les couleurs aussi. C'est vraiment des tons que j'aime. Et surtout ça, j'adore tout ce qui est arc-en-ciel, les arcs, toutes les choses comme ça. Ensuite, des petites lunes, en fait. Hein, ça fait petite lune comme ça, là. Vous savez, là, la pleine lune et les quarts de lune des deux côtés. Je sais pas, mais comme ça, je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Alors, est-ce que je l'ai pas déjà pris, celui-ci? Je sais pas. Est-ce qu'il était nouveau? Je sais pas. Mais je les ai vus, donc ils m'ont plu, je les ai pris. Voilà, c'est un peu comme il y avait de la lumière, je suis rentrée. Voilà, c'est pareil, je les ai vus, ils m'ont plu, ben je les ai pris. Voilà. Donc, pourquoi pas? Hein? Non, mais on a toujours besoin, voilà, j'en ai plein, hein, mais bon, on a toujours besoin de petits 15-15 comme ça. Des petits papillons, des jolis petits papillons. Tac,
tac, tac. Des petites choses. Comme ça. Ah, t'es reparti, ma Roro. Y a rien à l'intérieur qui t'intéresse? Et des petits cœurs pour terminer. Trop mignon. J'aime beaucoup. Voilà, ces deux petits pads. Donc, design pad à 0,99. Donc, 99 cents chacun. Perso, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qui n'est pas Noël encore? Je continue par les choses qui ne sont pas Noël, puis je terminerai par les petites bricoles de Noël. Hein, puisque j'ai dit que c'était la dernière fois que j'ai acheté des trucs de Noël cette année. Donc, effectivement, l'autre jour, je parlais de tampons Noël. Je pensais qu'il y avait des tampons Noël cette année. Mais a priori, alors il y a une copine de YouTube qui m'a dit « T'es sûre, il y a des tampons Noël cette année ?» Bah, du coup, elle m'a mis le doute. Et puis effectivement, en y retournant, j'en ai pas vu. Alors je sais pas, vous en avez vu, vous, des tampons de Noël? J'en ai pas vu, du coup. Alors, un autre petit truc que j'aime beaucoup. Je l'avais pas vu encore, celui-ci, en tous les cas, avec ce design. Donc évidemment, ce design vous rappelle quoi? Celui-là, c'est le même style. Et j'adore. Donc, un carnet comme ça, to-do list. Nous avons toujours besoin d'une to-do list à la maison. Moi, des to-do list, j'en ai pas dans toutes les pièces, non, mais presque. Alors, to-do list, vraiment sympa, donc avec une spirale, donc pratique. Deux couvertures qui sont, ma foi, rigide, hein, vous voyez, c'est assez épais, c'est drôlement rigide, donc avec bah, le design recto verso, hein, on est voilà, et la grande to-do list comme ça, donc alors avec la date, les numéros, il y en a 21, donc si on a on se note 21 choses à faire chaque jour, ça fait du taf, hein. Non, on va pas se mettre 21 choses par jour, moi souvent. Je mets ma liste de courses parce que ma liste de courses, souvent, je l'oublie. Donc, si je la mets tout le temps au même endroit, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faudrait que je me mette une appli sur mon téléphone. Ça doit certainement exister. Mais c'est vrai que je suis à l'ancienne encore et je la fais toujours comme ça, ma liste de courses. Donc, voilà. Donc, c'est fort, fort utile. Donc, j'en ai repris une. J'en ai déjà, hein, mais j'adore. Donc, 99 centimes aussi. Hein. 99 centimes d'euros. Voilà, voilà, on continue. Alors, un truc qui n'est pas Noël. Oh. En fait, je vous ai parlé de quoi de Noël? Il n'y a pratiquement rien de Noël. Tout faux, la fille, presque rien. Alors, on continue dans un petit peu le pratique, un peu de tous les jours. Un nouveau planeur 2024-2025. Comme si Letty, elle s'était pas déjà acheté des planeurs. Ben non, 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 pas que Nelly, elle a déjà plein de planeurs. Je ne sais pas combien j'en ai déjà acheté, mais l'autre jour, j'ai acheté un grand, là, qui était, je vous ai montré, là, un super grand. J'ai acheté celui-là, je crois que j'ai acheté un petit. Donc, je suis au moins à 3 planeurs pour 2024. Alors, celui-ci, donc, bah, je l'ai trouvé fort sympa parce que j'ai bien aimé donc, le design avec ses petites fleurs. Le format qui est quand même assez intéressant. Évidemment, bah, toujours avec de la spirale. Donc, le format, on est sur une hauteur de 21,5 et sur 16,5. Donc, 21,5 sur 16,5, on est quand même sur de la belle dimension. Je vous le montre. Alors, je l'ouvre. Alors, devant, sur les premières pages, il y a deux feuilles, ça doit être deux feuilles de petits autocollants. Donc là, vous voyez, c'est des petits autocollants pour mettre dans notre planeur bah, tout du long de l'année. Voilà, bon, perso, je ne les mets pas forcément toujours, mais bon. Ici, donc, on est sur le début avec, donc, en première page, on a, allez, alors dans les premières pages, on a toujours très important d'avoir l'année entière, donc du 2024 et du 2025, donc on a chaque mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc., donc 2024, 2025, donc c'est vrai que si on a besoin d'une visu, d'un visu direct comme ça, de 2024, 2000, hop, on ouvre notre truc, dans les premières pages, pof, on a ça. C'est quand même intéressant. Ensuite, eh bien, on a une page pour les anniversaires.
Voilà, par mois, donc janvier, février, mars, etc. Bah, toute l'année. Et après, eh bien, on démarre sur du janvier. Alors, ce que j'ai apprécié donc, dans celui-ci, c'est comme celui de l'autre jour, le grand, là. C'est qu'on a chaque mois ici avec un onglet. Donc, le mois de janvier, hop, c'est ce premier truc bleu. Donc, on ouvre. Enfin, j'ouvre la première. Et je suis sur des jours comme ça. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ça. Là, il y a note. 1, 2, 3. Et donc, là, il doit y avoir 4, 5, 6, 7. Donc, on a une semaine. On a une semaine, donc, comme ça, à plat, quand on ouvre aussi. Et ça, je trouve bien. Et surtout, ce que je trouve vraiment bien, c'est ce premier petit encart où on a de noter notes. Donc, comme éventuellement une to-do list, on aurait donc dans notre agenda, dans notre... enfin, on ne dit pas un agenda, on dit un planeur maintenant. Dans notre planeur, on a directement donc un petit encart donc avec notes. Voilà, pour mettre tout ce qui, tout ce qui serait important à ne pas oublier ou éventuellement notre petite liste de courses. Bon. Bref, vous avez donc à chaque fois sur la page de droite une petite déco. Donc là, il y a une petite fleur. Là, ah bah ça y est, la pluie revient. Une petite... Et ma Roro qui est dehors. Vite. Oh là là. Oula. Ah oui, ma Roro, t'es rentrée de direct. Hein. Oula, ça tombe. Hein. Oups, purée. Une belle averse. Purée que ça continue. Hein. Ah non, 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 doucement. Le... Il t'a rien fait, le... Le... Eh hey. Et le... Ça y est, j'ai perdu le mot. Ah là 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 là, le tapis. Alors, donc, une fleur. Donc, a priori, je pense que pour le mois, il y a une fleur à chaque fois. Ouais, c'est ça. À chaque fois, vous avez donc une fleur. Donc, pour tout votre mois, à droite ici, la petite déco. Oula, je vais éternuer. Ah pardon. La petite déco, c'est une fleur. Voilà. Donc, on est bien sur... On est bien sur ce planeur, parce que je trouve qu'il est bien fait. Fin janvier, donc, on s'arrête ici, à fin janvier, et là, on a le début de février. Alors, pourquoi ils nous ont mis début février ici, sachant que février, c'est ici? Eh bien, on va voir ce qui se passe. Alors, on va voir ce qui se passe. Ah, c'est rigolo, ils nous mettent deux fois, du coup... Ah ouais, donc alors, fin janvier, ils nous font le rappel, enfin le rappel, ils recommencent sur début février, et une fois qu'on est passé à février, vu que c'est vachement organisé leur truc, eh bien on a fin janvier à gauche, si j'arrive à l'ouvrir, on a du coup re-fin janvier, donc ici à gauche, et on redébute par début février. C'est pas mal fait. Et donc là, on est sur une autre petit, un autre petit dessin. Oh, ma Roro, tu regardes dehors. Hein. Fait pas beau. Hein. Donc, un autre petit dessin. Et on continue jusqu'à la fin du mois. Je regarde comment ils ont fait, du coup, à la fin du mois. Ben, rebelote. Hein. À la fin du mois, on finit ici par le 28 février. Et du coup, on a le 29 ici, parce que hein, on a le 29 cette année. Et on repart 1, 2, 3 sur mars. Et c'est pas mal parce que du coup là, début mars, on a à nouveau fin février, début mars. Vous avez compris, hein? Et là, on a à nouveau une petite décoration, un nouveau petit dessin. Donc, quand on a fait tous ces mois-là, et je trouve qu'il est quand même super bien fait, eh bien, on va aller à la fin, voir ce qu'ils nous ont mis à la fin. Alors, à la fin, à la fin, à la fin... Ah non, mais alors, attendez. Attendez, attendez. C'est plus que jusqu'à fin décembre, qu'à décembre 2024. On recommence après par janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025. Popopo, je vais le garder un moment, celui-ci. Eh bien, écoutez, moi, je le trouve vraiment sympatoche parce que décembre 2024, hop, on tourne et on recommence... par un onglet par en haut, parce que là on avait donc tous les onglets, hop,
Et on finissait évidemment. Alors attendez, il est là. On finissait ici le dernier onglet par décembre. Et dès qu'on a tourné décembre, on recommence sur janvier 2025 jusqu'à juin. Bah dis donc, moi je trouve que c'est waouh, c'est un super planeur quand même. J'avais pas vu la petite subtilité. Idem, hein, on est sur le même principe, hein, avec une semaine, donc une semaine en visu complet, hein, un visu complet sur une semaine. Du coup, eh bien, on termine par juillet. Et ensuite, on a des traductions. Puis, on a les vacances. Alors, les vacances avec plein de mois, bah, c'est avec plein de mois, avec plein de pays. C'est des pays européens, hein. On a plein de pays. On a la Belgique, la France, les Pays-Bas, le Portugal, la Tchécoslovaquie, l'Italie, etc., etc. Ensuite, on a un note. Ouais, on a note sur pas mal de feuilles. Ouais, regardez tout ce qu'on a en note. On a tout ça. Ouais, ouais, ouais. On est sur un agenda super complet. Vraiment, cet agenda, il va pouvoir nous suivre toute l'année durant, même un an et demi, hein, on a dit. On est quand même sur un sacré, sacré truc. 18 mois, hein, c'était noté sur le planeur, mais au dos, et je ne l'avais pas vu. 18 mois, planeur, et j'ai mis le prix 3,65 €. Il est quand même super intéressant. L'agenda de l'autre jour, le grand, là, le super grand, il n'est pas loin. Je vais chercher, voir combien. Mais il n'est pas comme ça, hein, puisqu'il n'a pas de spirale. Ah ouais, donc il n'a pas de spirale. Il est du coup bah, moins cher parce qu'il n'a pas de spirale. Il était grand, comme ça. Il faisait 2,59 €, mais il n'a pas de spirale. Donc, il est moins pratique. Celui-ci, je l'avais pris pour le garder comme ça au bureau. Là, ah bah, il n'est pas bien découpé. Je l'avais pris pour le bureau parce qu'il a des grands jours. Voilà, donc il a beaucoup de place pour les jours. Voilà, pour le bureau, bah, quand j'ai pas mal de choses à noter, les factures à faire, les trucs à préparer, les produits à acheter, par exemple mes vidéos, quand je les planifie avec les concours, les machins comme ça, c'est voilà, celui-ci pour le bureau, il est bien, il fait 2,59 €. Donc vous voyez celui-ci, voilà, je l'avais acheté il y a 15 jours, et il est vraiment bien, mais il est plus grand, bon il est plus fin, hein. Il est plus fin, ça n'a rien à voir, hein. Là celui-ci, il est topissime, alors il est un peu lourd, mais il est sur du 18 mois quand même, hein. Ah je suis contente du coup de mon achat, j'avais pas vraiment vu la subtilité. Eh ben, la subtilité me plaît bien. Bon, du coup, j'ai laissé la porte ouverte. La baie vitrée est ouverte, j'ai pas trop chaud. Alors, ensuite, je continue. Qu'est-ce qu'on va regarder? J'ai regardé. J'ai acheté ça. Et oui, j'ai dit que j'achetais plus de papier. J'arrive pas à pas acheter, quoi. Et alors, attendez. Attendez la nouvelle. Vous la connaissez pas, la nouvelle? Alors, si, certaines la connaissent, évidemment. Mais je vais avoir un Action dans ma ville. Ah bah bravo. Bravo, un Action dans ma ville. Ah bah alors là c'est le pompon. Là. La fille qui ne veut plus acheter de papier imprimé, quand elle va y aller, qui en aura des nouveaux, elle va les acheter. Et puis au lieu de faire 30 km pour aller à Sainte, à Royan ou à Jonzac ou à Cognac, parce que je suis un peu au milieu de tout ça là, bah, au lieu de faire 30 km de temps en temps, bah, là je vais y être tous les 4 matins, évidemment. Alors, je ne vous dis pas s'il y a beaucoup de produits. Ah ben alors là, je ne vais pas arrêter d'acheter. Non, il faut que je me... Non, 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 non. J'ai dit que j'en ai plein. Il faut que j'arrête d'acheter. Il faut être raisonnable un jour. Donc, du coup, quand même, j'ai acheté celui-là. Il y en avait plusieurs. Attention, j'ai fait une sélection. Déjà, c'est bien. J'arrive à faire des sélections maintenant. Avant, je regardais vite fait, puis je les prenais tous, en gros. Alors, il s'appelle Child and Relax. Take it case, cozy, Casey, non, Casey, easy.
take it easy, pas take it cozy, ni quasi, ni je sais pas quoi. Take it easy, chill and relax. Donc, on est sur un truc tranquille, relax, voilà, facile, avec donc des petites papages. Alors, les tons sont rose, rose vert principalement. C'est un rose poudré, hein, on va dire ça comme ça, avec un joli petit vélo. Voilà, on est sur du... Ah, bah, du recto verso. Voilà, recto verso. Et du coup, bah, je vais vous le montrer comme ça. Bon, voilà, bah, je vais vous le montrer parce que c'est les petites étiquettes. Les petites étiquettes. Donc, take it easy and relax. Hein, on a bien easy. Time to relax. Voilà, on est sur des trucs, voilà, relax, rêve, etc. Donc, voilà, je continue. Donc, on est... Ah, derrière les petites étiquettes, on a ça. C'est sympa, comme ça, on peut mettre un petit... quand on offre une petite étiquette ou bah, il y a un petit truc derrière pour écrire. Je trouve que c'est pas mal. Et alors, les papiers... Ah, c'est pas facile quand je me mets comme ça. Je devrais pas me mettre comme ça. Voilà. Ah, d'autres grandes étiquettes. Des maxi grandes étiquettes. Voilà. Moi, je le trouve assez simple. Il est dans l'autre sens. Ah ouais, les étiquettes sont dans l'autre sens. Ils nous ont fait un recto verso, là. Enfin, étiquette bizarre dans l'autre sens. Oh, là, il y a une tache. Il y a un truc bizarre, là. Il y a un truc bleu clair, là. Enfin, vert... vert clair, bon, moi ça me dérange pas, hein, mais bon, voilà. Oh, c'est simple hein, comme motif. Hein. Il y a encore, donc il y a ça. Ah, c'est dans tous les sens. Hein. Hop, comme ça, comme ça. Il est tout, il est dans tous les sens. Un coup en haut, un coup en bas, tête en haut, tête en bas. Donc, à mon avis, ici, ah, il y a du tracker aussi. Vous savez, le tracker, c'est pour mettre dans son. Dans son bullet journal, des trackers, ça veut dire les trackers pour faire ce qu'on a à faire. Par exemple, les gens qui boivent pas assez tous les jours, ils vont dire ben moi je bois un verre d'eau à 9h, un verre d'eau à 10h, un verre d'eau à 11h, un verre d'eau à midi. Voilà, je bois un café par exemple comme moi le samedi et le dimanche. Bon, ben ça, je m'en rappelle. Hein. Parce que maintenant, je suis passée que le week-end, le café. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en tracker? Bah attendez, il y en a là. Ah, bah là, c'est des trackers. Boire de l'eau, méditer, lire un livre, se reposer, manger sainement. Ah ouais, c'est pas du... Voilà, c'est un peu ce style-là. C'est self-care tracker. Donc voilà, c'est plus pour être en forme. Alors moi, je pensais à celui où tu dis... et puis, il peut y avoir le temps aussi, le tracker du temps, pas beau temps, moyen, très beau. Puis tu mets le petit symbole du temps tous les jours, par exemple. Ça peut être sympa. Comme ça, à la fin de l'année, tu t'es dit... je suis en train de regarder les messages qui passent. À la fin de l'année, tu peux te dire, ah bah tiens, en 2023, quel temps on avait eu justement début novembre? Eh ben, on va reprendre, puis on va dire, ah bah tempête. Bon là, on mettrait un truc tempête. C'est rigolo aussi, hein. Bon, mais je le fais pas parce que c'est du temps. Mais je devrais. Je devrais, puis j'aime bien en plus le faire. Bon ben voilà, donc bon, les papiers sont sympas, hein, je vous en montre deux ou trois. Hein. Bon, c'est simple, hein, mais c'est sympa. Non, il est sympa. Voilà, il y a ça. Voilà, de toute façon, il y a tout ça. Tout ça. C'est vraiment des petits motifs très simples. Et sinon, après, il y a des grands papiers avec que des petits motifs comme ça en angle. Donc voilà, c'est du très très simple, avec quelques étiquettes hein, qui sont pas mal aussi, et puis bah, les trucs tracker là, et puis d'autres étiquettes. 2,29 €. Ouais, il est tout le temps à ce prix là. L'averse, c'était bah, une grosse averse, mais rapide. Hein. Alors, ensuite, j'ai trouvé
J'ai trouvé deux produits. Alors, un qui m'a rappelé un produit qu'on avait eu dans l'année déjà, du glitter markers. Donc, un marqueur avec du glitter, hein, du brillant. Donc, celui-ci, il est Aqua Blue et Clear Sky. Donc, ce qu'il y a marqué là en bas. Plutôt un vert turquoise, on va dire, et un bleu clair. Ce qui est rigolo, c'est que on a des petites choses en haut qui nous font rappeler à des pierres, quoi, hein, des pierres précieuses, des rubis, des machins. Enfin, un rubis, c'est rouge, mais bon, dans le style, quoi, de voilà. 79 centimes, donc les deux feutres. Et donc, j'ai ceux que j'avais achetés dans l'année. Alors, j'avais ceux-là. J'avais acheté celui-là dans l'année. Glitter Markers, bah ouais, c'est un peu le même principe, sauf que c'était pas le même design. On n'avait pas les petits trucs au bout et on était sur. Ah, bah, j'ai pas mis le prix sur celui-là. Alors attendez, j'en ai plusieurs. Les autres, je les avais pas déballés. Je les ai pas déballés. Ah ouais, j'avais un jaune orange, un vert clair vert et un rose rouge. Et ah, 1,19€, j'avais noté. Ah, donc on était plus cher. On était à 1,19€ dans l'année et là on est à 79 centimes. Alors attendez, c'est peut-être pas la même contenance. Alors est-ce qu'ils nous mettent une contenance? Non. Et là, est-ce que j'ai une contenance? Celui que j'ai déjà ouvert. Voyons voir. Voyons voir. Glitter marque. Non, ils nous disent qu'il faut appuyer 3 secondes. Non, j'ai pas de contenance. Alors, ce qu'on va faire, ben, on va les comparer. Donc, on va ouvrir celui que j'ai acheté là, qui s'appelle. Donc là, ils ont mis un nom. Mao, Mao, Mou, 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 Mou. On va dire Mou, Mou. Je sais pas comment on peut dire. Un peu comme Wou. Wou, mou, bah oui, un peu, ouais. Un peu comme les. Comme le. Ah, et là, il y a du glitters. Ah, c'est sympa. Sur le packaging, là, on sent que c'est glitters. C'est un petit. Il y a une petite surépaisseur. Il y a un petite matière. C'est sympatoche. Alors, par rapport à celui de cet été, celui-là. Ah, j'ai l'impression qu'il a l'air plus lourd, celui-ci. Alors, est-ce que c'est le fait du bouchon? Du bouchon. Ah, alors, du coup, hop, quand on ouvre, voyez, celui d'aujourd'hui, il est plus épais. On va le mettre sur mon visage, ça devrait plus se voir. Il est plus épais. On va l'essayer, hein. Et ça, c'était celui donc que j'avais acheté dans l'année. Je vais prendre un petit papier. J'en ai pas loin. Alors, on va prendre un petit papier. Petit papier. Ça, je voulais pas montrer, je vous montrerai après. Je le cache. Donc, hop, j'ai descendu. Ici, donc là, je pousse, hein, parce que. Donc là, on a celui de cet été. Donc, je le recharge, hein, je le remets en. Voilà. Il est un peu orange avec un peu de brillant dedans. Voilà, ça, c'était celui de cet été. Et celui de. Maintenant, alors ils disent 3 secondes hein, qu'il faut appuyer. Hein. Voilà, comment te dire? C'est un peu plus que 3 secondes. Alors je vais refaire ça. Souvent, ça fonctionne. Ça y est, ça vient, je le vois. Ça commence à viendre. Regarde, regarde là, il y a du bleu. Il y a du bleu, il y a du bleu. Alors, ah, c'est du bleu très très pâle. Alors, paillette ou pas paillette? Ouais, paillette. Alors, je ne suis pas sur un papier très comment
très aqua, hein. Donc c'est pas aquarelle mon papier, donc c'est pas un papier qui va bien, il va quand même bien absorber. Donc du coup, on voit moins bien. Allez, le vert, il arrive. Donc là, du coup, je n'ai pris que celui-là. Je crois qu'il y avait plusieurs couleurs, mais je me suis dit, c'est plus ces couleurs-là qui me, voilà, qui me plaisent. Et je savais, je me rappelais que j'en avais déjà pris dans l'année. Donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas en reprendre. J'en ai déjà. Et en plus, ce genre de feutre, bon, je vous avouerai que je m'en sers pas forcément tous les 4 matins. Mais bon, ouais, ça a pas traversé, ça va. Hein. Ah, ils sont beaux, hein. Et celui que j'avais déjà acheté là cet été, là, il brille vachement. Hein. Je trouve que je vais mettre salut. 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 Et en vert. Vert un peu turquoise. Ah, par contre, il y a le mélange. Je remonte un peu sur le orange. Du coup, ça fait chouette. Je pense qu'un mélange de couleurs peut être super sympa entre celui-ci et celui-là. Si ça fuse, à mon avis, ça peut être super chouette. Ouais. Alors, je ne le fais pas trop parce que mon feutre va être... Oh, après, bon, je nettoie. Hein. Ouais, ça peut être super joli, ces deux couleurs. L'une à marier avec l'autre, ces deux-là. Et quand elle fuse, ça fait sympa. Donc, ouais, j'aime bien ces feutres. Hein. Bon, c'est vrai que moi, j'aime bien, en général, les feutres et les trucs. Donc, du coup, de cet été... Alors, attendez. J'avais acheté ça, bon, cet été. Ah, bah ouais, mais c'est un peu pareil, ça. Hein. Ah, ouais, c'est un peu la même... Donc, j'avais acheté jaune-orange, rose-rouge et un peu bah, vert clair-vert. C'est plus vert que turquoise. Là, ça fait vert-turquoise. Allez, on va dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes. Bon, ils sont moins chers, là, que cet été. Parce que j'avais dit 1,19 tout à l'heure. J'ai dit, ouais, c'est ça. 1,19. Heureusement, je marque toujours mes prix sur les trucs. 1,19€ et là, 79 centimes. Donc, on n'est pas cher. Enfin, on n'est pas cher. On est moins cher, en tous les cas, que cet été. Et sincèrement, on a peut-être un petit peu moins de paillettes, on dirait. C'est plus subtil. C'est un peu plus subtil. Mais en tous les cas, je suis convaincue. Je suis convaincue par le produit. Donc maintenant, à vous de voir. Hein. C'est, chacun après fait ses regards avec ses préférences. Donc dans les produits plus de Noël, j'ai trouvé ces deux blocs de glitter. Donc un bloc de glitter plutôt dans les tons de rouge et un bloc de glitter plutôt dans les tons de argent... argent rose, ouais, rose poudré, je ne sais pas trop comment on peut dire. Donc, celui-ci, on a, donc les papiers, c'est pas du gros, c'est pas de la grosse paillette, c'est relativement, c'est drôlement lisse. On est sur un papier, ouais, cartonné, mais bon, c'est pas, c'est, ouais, ça va. Donc, la seule chose, ce genre de papier, en général, moi, je vous parle de ce que je connais d'avant, en général, ce sont des papiers qui ne se découpent pas forcément bien avec les dies. Les dies, nos dies, nos formes de découpe, là, nos trucs de découpe. Bon, à voir. Hein. Là, il y a un argent, donc là, qui est vraiment, vraiment plus miroir. Ce n'est pas paillette. Là, c'est blanc. Oh là, il est vachement... il a plein d'espace où il n'y a pas de paillettes, celui-ci. Bah, celui-là aussi. Ah ouais, il est bizarre. Ah, il n'est pas blanc pailleté partout. Hein. Alors, je ne sais pas si les autres sont pareils. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Donc, blanc. Putain, mais il y en a plein du blanc. Combien il y en a à chaque fois? Un. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a 6 paillettes et il n'y a que 3 miroirs. 6 paillettes. Là, ben, automatiquement, c'est du miroir. Donc, à mon avis, ben, il n'y en aura que 3. 1, 2, et ben ouais, 3. Voilà, il est assez sympa. Et après, il y a encore du paillette et ça, c'est un noir. Donc, il n'est pas comme le blanc. Il a de la paillette partout. Parce que le blanc, il y a plein de petits points où il n'y a pas de paillettes. Hein.
Ouais, ok. Bon. À essayer. Je ne l'ai jamais essayé, hein, le glitter foil là de glitter foil de chez Action. On est à 1,59 €. On a 29 feuilles. Pardon. Et 29 ou 24? Non, 24, pardon. 24 feuilles, pardon. Excusez-moi, je dis des grosses bêtises. Et du coup, bah essayez. Hein. C'est du format A5, un demi A4. À essayer. Et donc le rouge. Donc je vous montre. Donc idem comme tout à l'heure. Donc là les paillettes, il y en a bien partout. Pas comme le blanc. Le blanc, il est un peu. Oh, celui-là, j'adore. Waouh, celui-là, j'adore la couleur. Ça, c'est un miroir super sympa. C'est un peu mordoré. C'est pas doré, c'est mordoré. Ça fait un peu rose doré. Donc là, c'est le paillette. Ouais, ils appellent ça glitter, hein, paillette, feuille. Et ça, ils appellent ça foil. Et là, le foil, moi, j'appelle ça miroir. Du coup, il est rouge. C'est un rouge vif. Et après, il nous reste le paillette rouge. Alors. Attention, hein, le paillette, il n'est pas granuleux, hein, il est vraiment lisse. Hein. Néanmoins, de souvenir, ça ne se coupe pas génial, génial avec un dice de découpe. Bah, attendez, on peut peut-être faire un petit essai. Hein. Où est-ce qu'elle est ma petite? Alors attendez, je vais chercher ma petite machine de découpe. Et j'ai bien un petit dice qui traîne quelque part. Alors, j'ai ma petite machine. C'est pratique d'avoir une petite machine comme ça. C'est vrai qu'on peut la sortir partout. Alors, tac. Et je dois bien avoir un petit dice quelque part avec... Bah oui, j'ai des petits chats. On va sortir les petits chats. J'ai des petits chats. Allez. Qu'est-ce qu'on prend? Un rose. C'est la couleur que j'aime le moins. Donc on va prendre le rose. Tac. Comme ça, on va vite, vite voir ça, hein, si ça découpe bien ou pas forcément. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un souvenir. Alors, est-ce que j'ai déjà eu des papiers comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai vu? J'en sais rien, mais eh ben, nos sous-sailles, on essaye de suite. Allez, on va mettre nos petits chats ici. On ouvre notre petite machine. On va faire plusieurs passages. Ah ben non, ça va pas trop mal. J'ai fait deux passages, hein, aller-retour. Bah écoute, bah je voilà, bah, hein, comme quoi, faut pas rester sur des a priori, hein. Voilà, pourquoi j'ai dit ça, moi, que ça découpait pas forcément bien, je sais pas, ou alors c'est un papier d'il y a longtemps et que bah, ils se sont améliorés. Allez, on va dire que ils se sont probablement améliorés dans leur truc, hein. Eh bien, écoute, nickel. Donc, ben, nos sous-sailles, on a une belle découpe. Voilà. Donc, ben, j'aurais plus qu'à en faire d'autres parce qu'en fait, c'est super joli en rose. Et ça pourrait me permettre de faire des jolies petites cartes. Moi qui ne fais pas trop de cartes. Hein. Je suis pas la, je suis pas férue en cartes, moi. Hein. Voilà. C'est pas ce que je fais le plus souvent. Voilà, et bah du coup, bah c'est pas mal. Je suis contente. Contente de mon achat. Alors, les deux derniers trucs que je voulais vous montrer, c'est, il y a ça. Donc, pareil, de la même appellation que les marqueurs tout à l'heure, j'arrive encore à... J'ai encore du mal à le dire. Donc là, on est plus sur un 3D Paint. Hein, donc ce qu'on appelle le 3D Paint. Donc c'est une peinture 3D. J'en ai déjà de chez Action. Alors attendez, ils doivent être loin. Ils doivent pas être loin. Alors est-ce que là j'en ai. J'avais ça moi.
J'avais ça en perle, en DecoTime. Ah oui, c'était du DecoTime en perle 3D Drops. Donc j'avais du plusieurs. J'ai plusieurs couleurs hein, comme ça. Hein. Eh bien, vous savez pas ce qu'on va faire? On va tourner notre papier et on va essayer donc ceux d'aujourd'hui que j'ai acheté, donc je viens de découper. Hein. J'ai acheté ces deux couleurs-là. Bizarre, hein? On est un peu sur le même principe de couleur. Hein. Je crois que ce sont un peu mes couleurs, ça. Hein. Donc, regardez. Hop. Au dos du paquet, vous avez a priori du violet, du rose et du argent doré. Ouais, c'est ça. Argent or. Donc, on aurait a priori d'autres couleurs comme ça. Soit je ne les ai pas vues, je ne me rappelle plus. Soit je ne les ai pas pris parce que je me suis dit j'en ai assez. Puis, je vais essayer d'abord. Hein. Alors, ça nous rappelle un petit peu. Alors, je trouve. Hein, les, donc celui-ci et puis celui de tout à l'heure là, ça, le marketing, hein, le truc là, la déco, on va dire ça, le produit, hein, le marketing, nous fait un peu penser aux produits nouveaux, NUVO. Les produits nouveaux, je vous en montre, j'en ai un petit peu par-ci, par-là. Oh oui, parce que j'en ai. J'ai les drops, hein, par exemple, parce que voilà, je les avais achetés il y a quelques années quand j'étais sur une autre, je faisais une autre marque de VDI, on faisait du nouveau. Regardez ce qu'on a au-dessus. Donc, on était sur un petit flacon comme ça. Alors, ce n'est pas le même prix, hein, pratiquement à 6 euros, un peu plus de 6 euros le truc, avec une. Combien on a 30 millilitres là-dedans. Et ici, on a. Ah bah ouais, bah ils nous mettent pas combien on a. Ah, alors, combien on a là-dedans? Ah ouais, alors ce qui n'est pas cool, c'est qu'ils nous mettent pas combien il y a. Ils nous mettent pas la contenance. Alors, on est loin d'avoir la même chose que là. Hein, parce que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Hein. C'est plus petit, plus léger, on le sent. Mais néanmoins. Voilà, leur design, leur packaging, leur nom, leur tout, voilà, nous fait penser à des produits connus, hein, de marques, voilà, hein, qui ont déjà roulé leur bosse, hein, hein, voilà. Donc, ça, c'est les produits que j'ai achetés aujourd'hui chez Action. Et on est sur un prix à 0,79. Donc 79 centimes. Donc effectivement, comme ça, on a plus de 6 euros. Bon, bah ouais, hein, ok. Hein. On ne peut pas rivaliser hein, avec les produits Action. Hein. Oula. Alors là, déjà, il y a une cagaille. Quand on j'ouvre, c'est déjà. Bon, je pense. Oula. Alors déjà, c'est très liquide. Regardez. Regardez tout ce que j'ai mis. Super liquide, donc là il va vraiment pas falloir. Oh là là là, ouais, non, c'est super liquide. Donc on en a plein dans le bouchon. Voilà, donc pas top. Donc le bouchon à l'intérieur va être déjà tout caca. Voilà, regardez. Et celui-ci, il n'y en a pas, mais ça va pas tarder. Pareil, hein, pour l'instant, il est propre. Allez, on appuie un peu, mais pas trop. J'ai vu que c'était super liquide. Ah bah si, hop, si. Bon alors, donc du coup, ça va pas être facile pour faire des petits 3D là, des petites perles. Ça, c'était les produits que j'avais déjà achetés chez eux. Là, voilà. Là, on peut faire des perles plus petites, même si, bon. Sont pas extraordinaires, mais on peut faire des perles plus petites avec les produits que j'avais déjà. Là, on est super fin. En général, quand on a fait ça, ensuite, pour bien étaler, alors faut que le papier soit pratique, on fait ça pour bien étaler. Et ben là, vous allez voir ce que ça va faire. Ben, du coup, mes premières gouttes sont énormes parce que celui-ci, il a beaucoup coulé. Hein, il coule très vite. Le produit est très. On voit, il est très liquide. Contrairement à celui que j'avais acheté précédemment, qui était moins liquide. J'arrive à faire des plus petites choses et on voit
dans le cabochon là, dans le bouchon, comment que ça arrive. Enfin, comment que ça arrive. Quand le produit arrive, donc du coup, on peut jauger et puis en mettre un petit peu moins ou un petit peu plus. Si je veux en mettre plus, et bien voilà. Et après, comme d'habitude, quand on fait ce genre de choses, après votre papier, vous faites ça. Alors, faut qu'il soit assez épais pour que ça tasse bien. Mais ah, ça par contre, vous ne le faites pas. Hein. Je fais des bêtises. Voilà. Faites pas ce que j'ai fait. Hein. Là, sinon, vous avez fait. Non, ça va. Ça va. Il n'y en a pas beaucoup. Tac. Produit très joli. J'aime bien les couleurs. Donc, c'est ces deux-là hein, d'aujourd'hui. C'est ces deux-là. J'adore la couleur. Mais c'est trop liquide. Ça coule. Ça coule. Ça coule vachement. Ça, c'est le nouveau. Donc, il est vachement plus épais. Donc, là, pareil, il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi de celui-là. Je m'en sers presque pas. C'est du vert et je suis pas très vert foncé comme ça. Et là, pareil. Il faudrait que je le... Ouais. Il a des petites crottes dessus. Donc, il faudrait, pareil, que je le tape bien. Mais il est plus épais, hein, celui-là. Il faut bien le... faut bien le... Ouais, celui-là, j'adore. Cette couleur-là, elle est trop belle. Ouais, celle-ci, elle est translucide. Celui-là, il est trop beau. Ça fait des grosses crottes, des belles crottes, là. Là, ça fait des beaux drops. Voilà. Le vert, il est un petit peu plus épais. Il faudrait que je le mélange bien. Voilà, comme ils sont plus épais, hein. Voilà, donc du coup, voilà un petit peu le produit que j'ai acheté aujourd'hui. Enfin, que j'ai acheté l'autre jour, là, pour 79 centimes, sincèrement... pas mal, hein, on est bien. Hein. Celui-ci, vous voyez, il faut que j'en mette plus parce que là, ça commence à sécher et c'est pas beau. C'est pas beau. Donc là, pareil, il faut que j'en mette beaucoup plus. Sinon, c'est pas joli. Bon, il est assez liquide. Hein, c'est bon, c'est bon, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Ça, c'était celui-là. Ça, c'est celui que j'avais déjà. Et là, pareil, il faut que j'en mette plus. Sinon, ça ne fait pas des belles... Ça fait pas des beaux drops. Voilà, voilà. Non, mais le produit d'aujourd'hui, il est bien. Hein. Bon, après, il faut arriver à bien le doser. C'est juste ça. Mais voilà, c'est une histoire juste de... Juste une histoire de dosage. Vous voyez, là, le bleu, j'ai fait des petits trucs pointus. Tap, des petites cheminées. Après, pareil, vous tapez. À chaque fois que vous faites ça... Hein, quand vous voulez avoir des belles gouttes, ensuite, des beaux drops, eh bien vous appuyez comme ça, vous tapez comme ça, hein, vous tapez un petit peu, et donc ça étale un petit peu votre drops. Voilà, et non, j'ai encore un produit à vous montrer, du coup, j'ai encore un petit produit à vous montrer, et là, c'était vraiment du Noël. En fait, je n'avais pas grand-chose de Noël. Donc, c'est celui-ci. Donc, l'autre jour, j'en avais acheté deux, mais je n'avais pas vu celui-ci, il n'y était pas. Alors, on est sur une base de prix à 1,16€ et on est sur ces produits-là où on a des trucs pour faire des cartes, en fait, des cartes 3D. Alors, perso, je ne vais pas faire des cartes 3D avec parce que, voilà, je ne suis pas très cartoon, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais néanmoins, ça peut faire des trucs sympas. Donc, voilà. Donc, moi, je vais faire les petits albums pour Noël. Pour mettre quelques petites photos pour décorer. Et vu qu'on en a... Et j'ai bien envie de faire mon December Daily. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup à chaque fois dans l'album. Hein, il y en a quoi? Il y a 10 modèles peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Bah, apparemment, il y en a une douzaine. Ouais, c'est ça, 4, 8, 12. Donc, il y a une douzaine. Bah, 12 et 12, 24, ça veut dire que avec deux, éventuellement deux carnets comme ça, je pourrais arriver à me faire mon album. Sauf qu'après, les styles ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est ceux que j'avais achetés l'autre jour. Vous voyez, on n'est pas du tout sur le même style. Hein. Voilà, donc ça et ça, éventuellement, ça peut être... couplé, peut-être, hein, dans le même album. Ça et ça, je ne sais pas. Après, il faudrait essayer, hein, après tout. Pourquoi j'essaie pas? J'essaie de vous faire une autre vidéo avec ça. Je vais essayer.
Je vais essayer de vous faire ça, un petit album comme ça, en mélangeant les petits carnets les petits carnets qu'on achète comme ça peut être sympa. Ouais, je vais voir. À voir. Ça peut être une petite vidéo que je peux peut-être faire, je peux peut-être faire ensuite. Ouais, pourquoi pas. Bon, bah du coup, ouais, je suis pas mal contente parce que les couleurs sont très jolies. Voilà, moi je pense que c'est ouais, c'est sympa. Après, il faut juste arriver à bien le doser, mais vu qu'il est un peu plus liquide, hein, c'est ces deux-là, hein, les deux que j'ai achetés là. Ça, c'est celui que j'avais acheté l'été dernier, et ça, c'est les produits nouveaux. Hein, donc voilà, c'est pas du tout voilà, le même style, ça vient pas du tout de la même boîte, et c'est pas du tout le même prix. Hein, donc voilà, ça n'a rien à voir. Eh bien voilà, eh ben, en tous les cas, moi je suis fort, très heureuse, ça ne se dit pas, je suis juste très heureuse d'avoir fait ces petits achats la semaine dernière chez Action, à Royan donc, et à partir du 11 novembre, l'Action, pardon, le Action donc dans ma ville ouvre, donc c'est Gémozac hein, dans le 17, et... Eh ben on va voir. On va voir si j'y vais régulièrement, si j'arrive à pas trop acheter. On va bien voir. On va bien voir si j'arrive à à me réguler. Mais oui, je pense, parce que bon, j'ai bien vu que voilà, dans le temps, on voit bien que les produits sont pas toujours tous top. Et que bah, là, comme ça, je pense que quand j'ai acheté ça là l'autre jour, je me suis dit, m'arrête à ces deux petites couleurs qui sont fort sympas parce qu'elles me plaisent, mais j'achète pas plus. Et puis si c'est éventuellement sympa, si les autres couleurs, je les ai pas forcément dans ce que j'ai déjà, bah, dans ce cas-là, je rachèterai. Mais bon, du doré, j'en ai de la dernière fois. J'ai un autre bleu, j'en ai d'autres, j'ai un rose, j'ai un bleu, un autre bleu, j'en ai plusieurs, j'ai un gris, j'ai un argent, voilà. Donc bon, là, ce que je vais faire maintenant, c'est que tous ces produits-là, que j'ai acheté donc même à plusieurs, bah, sauf mes nouveaux hein, qui sont rangés tous ici hein, derrière dans une là derrière là je sais pas si vous voyez là ils sont tous rangés dans un dans une petite étagère mais tout cela là ceux de d'Action et tout je pense que je vais les mettre dans une et seule même boîte et puis comme ça au moins quand j'en aurai besoin et eh bien je vais je prends ma boîte et j'ai tout. Voilà, j'ai toutes les couleurs, tous les machins. Je vais arriver à bien tout rapatrier tout ensemble maintenant. Voilà, j'ai commencé. Hein, c'est vrai que j'ai un grand, un atelier, pas un grand atelier, mais un atelier assez grand. Il y a beaucoup de choses, donc c'est vrai que je commence à, ben je continue hein, à ranger, classer, voilà, à beaucoup ranger, hein, tout simplement, hein, et puis à essayer de voir ce que j'ai. Et une fois que j'ai tout bien rapatrié, voilà, après je sais ce que j'ai, après je, voilà, après je j'achète pas plus parce que voilà, quand on sait après ce qu'on a, c'est plus facile. Donc voilà, mais en tous les cas, contente et puis contente de ce glitter là parce que je pensais pas que j'allais aussi bien découper. Je le croyais beaucoup plus plastique avant, je pense. Non, je le croyais beaucoup plus plastique, mais ça c'était peut-être avant qu'il était plus plastique. De souvenir, j'en avais déjà acheté dans le passé et j'avais pas eu un bon. Un bon ressenti, ça m'avait pas voilà super super plu parce que ben, il avait pas ça avait pas super bien coupé. Donc là, nickel. Vous voyez, j'ai fait mes petits chats, nickel. Ça peut j'ai fait un aller-retour et un autre aller-retour. Peut-être qu'un aller-retour ça suffisait hein. Voilà, mais j'ai joué la prudence. Bon, et eh ben 1 heure hein, pour faire ça. Comment vous dire, ça faisait un moment que j'étais pas venue vous voir, donc du coup bah voilà. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous aime, je vous adore. Je vous porte ici dans mon cœur. Je vous remercie tous d'être là. Je suis ouais, à 4000 abonnés. Je suis aux anges. Je suis super, super, super contente. Voilà, je vous remercie vraiment d'être là. Et je tiens à vous dire qu'en ce moment, donc, j'ai commencé donc, un atelier en ligne qui s'appelle 1, 2, 3 pochoirs, donc où on va découvrir, redécouvrir, utiliser les pochoirs donc de maintes et maintes façons. Et donc, l'atelier se fait donc sur 1 mois, pendant 1 mois. Il coûte 40 euros.
Et vous avez donc des lives tous les samedis, plus des vidéos en semaine. Et là, juste après, je vais faire mes petites vidéos justement de la semaine. Donc voilà, pour l'instant, il y a une dizaine de personnes. Il n'est pas trop tard pour venir faire l'atelier, hein. Il est vraiment pas trop tard parce que de toute façon, en plus, tous les lives sont en replay. Et puis, bah, toutes les vidéos, évidemment, sont en replay puisque c'est des vidéos que je poste. Donc voilà. Donc sachez que si vous êtes intéressé, vous avez le mail caméléonscrap@gmail.com où vous pouvez donc m'envoyer donc un mot bah, pour intégrer donc l'atelier. Hein, il n'y a pas de souci. On a juste démarré la semaine dernière, le 1er novembre. Mais on a vraiment, vraiment démarré là, samedi, il y a 2 jours, avec le premier live. Voilà. Donc, on fait un book technique et après, on va faire un book créatif, un carnet créatif. J'ai appelé ça différemment. Donc, book technique et un carnet créatif. Voilà. Eh bien, ça y est, j'y suis à mes 1 heure. Donc, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que le temps va s'arranger, hein, et que voilà, que le froid va arriver au lieu de la pluie et de la tempête, parce que c'est pas cool. Bon, la pluie, il en faut, mais modérément, hein. Là, c'est vrai que voilà, ce qu'on a eu, c'était pas chouette, chouette. Bon, allez, en tous les cas, voilà, j'espère que vous n'avez pas été trop touchés par la tempête les uns les autres. Voilà, en tous les cas, on est tous avec vous de tout notre cœur et voilà, on espère que ça va aller pour tout le monde, hein, en tous les cas. Allez, je vous remercie, je vous fais des gros bisous, ciao, à la prochaine. Très vite, bye bye.